Oui, ça rentre dans le portefeuille. Donc c'est bien. T'es quoi toi? T'es gaucher, droitier? Droitier. Et toi, t'es droitière aussi? Droitière. Moi, je suis gaucher de la main droite. Regarde, on va faire une petite expérience. Est-ce que je peux te... Donc toujours avec ces 5 symboles, entre guillemets. Ok. Est-ce que je peux demander toi de mélanger les cartes? Très important. Ok. On vérifie même plus maintenant. Donc garde-les. Et avant de faire quoi que ce soit, tu as vu depuis le départ, j'ai une petite prédiction qui est ici. Et à l'intérieur, est-ce que tu peux l'examiner toi, Thibaut? Rien. Non. D'accord? Regarde. Je vais mettre cette prédiction à l'intérieur ici. Je pourrais te la dévoiler tout de suite, mais je préfère la mettre là. T'as mélangé? C'est bon. Est-ce que tu veux mélanger encore une fois? Parce que peut-être qu'on pourrait penser que là, j'ai pris une prédiction. Mélanger, décidément. Je vais placer les cartes suivant. Peut-être ta personnalité. Me dis rien. Je vais les placer comme ça. Et je vais te demander. Tiens. T'es droitière ou gauchère? Droitière. Tu vas lever la main droite. Ouais. D'accord. Dire je le jure. Je le jure. Et avec ton doigt comme ça, ouais. Tu vas venir en fait pointer une carte. Vas-y, je te laisse faire. Je laisse ma prédiction ici, d'accord? Je te laisse faire. Mets le doigt dessus. Pas de triche, pas de choix équivoque. Tu aurais pu avoir le choix entre 5 symboles. Et je sais ce qu'il est en train de penser, Thibaut. Il est en train de penser que si la carte que tu viens de choisir correspond exactement à la prédiction, c'est un miracle. Bah, j'arrête la magie. Thibaut, est-ce que je peux te demander de regarder la prédiction qui est ici? Putain, mais t'as pas encore vu, mais t'as compris que c'était la bonne. C'est énervant. Hein. Ah mais c'est plus qu'énervant. Donc voilà aussi ce qu'on peut faire avec ces petites cartes là.